Lacrosse Boyd AT1, donc celle-là elle est ajustable, c'est quand même vraiment pas mal. En plus, plutôt bonne allure. Par contre, l'ajustement c'est vraiment assez limité et c'est surtout, voilà, ça passe quand même de cross classique, on va dire, à finalement très très petit ajustement. Donc faut pas en attendre non plus des longueurs dingues. Pareil pour la crosse, qui ressemble plus à une crosse pour enfant lorsqu'elle est pliée. Et on n'a pas une grande longueur. Et en fait, vous avez tout intérêt, si vous êtes un peu grand, à la déplier à fond. Donc finalement, l'ajustement est assez limité. Parce qu'il faudra sûrement que je garde tout à fond. Le reste, bah, c'est plutôt pas mal. Les finitions, même le plastique, c'est agréable. Les différents accessoires qui sont pas vendus avec, mais qui peuvent être changés. Ici, vous avez deux anneaux de grenadière. Et à l'intérieur, bah, là, c'est un petit peu plus cracra. Hein. Il y a des petites bavures là. Ça mériterait d'être repris un tout petit peu à la lime. Pareil au niveau de l'action. C'est un petit peu cracra. Et là, on voit aussi, c'est pas méchant, hein, mais c'est vraiment, si on veut que ce soit super propre, nickel, un petit coup, et ça fera pas de mal. Et même question, je me demande, peut-être qu'il faudrait lui faire un petit bedding, ça lui ferait pas de mal, et ça permettrait de rendre ça vraiment hyper propre et nickel. Plutôt pas mal, ça peut faire une belle amélioration, donner un look assez sympa et assez différent. Voilà, c'est pas courant sur les pas de tir, et ce petit côté bois, bah, finalement c'est aussi sympa de temps en temps. Une belle crosse en bois, c'est plutôt agréable, ça rend bien, un bon effet en main, ça a fait son petit poids, hein. Il n'y a rien, donc ça va aider aussi pour la précision. Donc voilà, plutôt intéressant et pas mal. Sur qu'à côté de ça, ce petit plastique en motif œuf de caille, ça change un petit peu et ça devrait apporter du plus. C'est quand même plus sympa et ce sera plus ergonomique. Donc j'espère que ça aidera et le tireur et la carabine à tirer mieux. J'avais fait un bedding parce que le plastique bouge dans tous les sens, il y avait des jeux partout, ça tombait pas en face, ça bougeait pas mal. Dès qu'on s'appuyait, mine de rien un peu, ça pouvait bouger. Et surtout, si on appuie fort, ça pouvait toucher le canon. Et là, c'est le drame, tout de suite en cible, ça pardonne pas. Donc l'idée, ça va être de tout remettre ici, comme ça, directement. Voir ce que ça donne, et si la précision n'est pas tout à fait au rendez-vous, pourquoi pas prolongé, donc avec un bedding. Là, c'était pas non plus très propre et j'avais déjà fait un bedding qui est pas génial niveau esthétique, mais franchement, ça permettait de ne plus faire bouger du tout ça, et c'était quand même pas mal. Donc maintenant,
Est-ce que les ajustements sont mieux faits? Je sais pas, on va regarder. Il y aura peut-être quand même un petit coup de ponçage à mettre avant de voilà, faire définitivement cette carabine. Mais bon, là franchement, il n'y a pas de jeu, donc déjà c'est mieux que la Bergara d'origine. C'est bien intégré, ça dépasse pas. Donc ça, plutôt pas mal. Un bon point quand même. Mieux que l'origine. Niveau look, ce sera vraiment sympa. Là, on voit de plus près quand même tous ces petits morceaux de bois qui dépassent. Bon, ça me dérange un peu sur cette finition. Donc je vais passer un petit papier de verre très très fin, histoire d'enlever tout ça, que ce soit vraiment très propre et que ça glisse parfaitement. Et ensuite, on pourra installer notre action canonnée là-dessus et voir ce que ça donne pour la prise en main. Avant de tout bricoler et tout enlever, on va quand même voir si ça rentre bien dedans. Ce serait quand même con. Donc là, on voit l'ancienne crosse, bon, assez légère. Là, on note le petit bedding, voilà, correct. En tout cas, ça a bien apporté une bonne amélioration, vraiment. Et surtout permettre d'être beaucoup plus constant, d'éviter tous ces flyers. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Du coup, le principe, je pense que je vais le reprendre. Ça rentre plutôt pas mal. On voit qu'au niveau du canon, il n'y a pas beaucoup d'espace. D'ailleurs, là, il touche. Donc là, il va falloir faire gaffe en installant à garder quand même ce canon bien flottant. Bon, l'avantage, c'est que là, le bois, c'est plus facile à retravailler. Là, justement, il est bon. On a notre crosse qui est à l'intérieur. Bon, ça bouge pas du tout. Et au niveau du canon, c'est juste, mais c'est propre. Par contre, ça bouge sur les côtés. Donc ça fera faire gaffe. Finalement, j'ai craqué. Ça me chagrinait d'avoir un truc tout neuf et qui n'était pas parfaitement aligné et pas magnifiquement réalisé. Donc, j'ai poncé tout ce qui gênait, tous les petits éléments là, qui étaient en vrac. J'ai passé un petit coup ici aussi pour que ce soit plus propre. Et tant qu'à faire, bah, j'ai fait mon bedding. Donc là, il y a juste un petit éclat. Mais ça permet de stabiliser beaucoup mieux l'action et ce sera plus solide. Et j'avais remarqué que c'était pas tout à fait droit, ça touchait pratiquement le canon, donc j'ai repris, pareil, à la lime et au papier, tout l'alignement pour mettre le canon et que ce soit un petit peu plus large. Donc comme ça, je sais que la finition est nickel, il n'y a plus rien qui dépasse, il n'y a plus d'éclat. Donc là, on voit que bah, ça bouge. Puis il y avait un ballottement comme ça là, qui a disparu, donc ça c'est plutôt bon signe.
là, je suis bien serré. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, ça veut dire que ça bouge plus du tout. Ici, on voit, bah, il y a un petit peu plus de marge de chaque côté. Il y a toujours une légère flexion, mais c'est moins le cas qu'avant. Et de toute façon, bon, on voit ici, il y a de la marge autour du canon. Donc, même si ça bouge un petit peu, pas de problème.